Salut et bienvenue sur Commodore 64 et 6510 Rétro Programming. Vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo, je vous ai montré comment afficher 80 sprites. Et bah, aujourd'hui, je vous propose de dépasser cet exploit. On va le dépasser de la manière suivante, hein, en affichant 96 sprites, hein, à l'écran. Voilà, vous les voyez, ils sont tous là, je les ai séparés légèrement pour que vous puissiez les voir. Alors 96 sprites, il y en a réellement que 88 potentiellement différents. Pourquoi? Parce que les sprites qui sont situés tout en haut, alors je vais vous montrer avec la flèche, ici ces sprites, hein, les 8 sprites du haut, sont strictement identiques aux sprites du bas. Ça n'est rien d'autre qu'un doublon, une répétition, un miroir. Donc les sprites qui sont affichés ici se retrouvent en bas, tout simplement. Alors ça c'est le premier exploit. Bon, ouais, j'ai envie de dire c'est bien prétentieux de dire que c'est un exploit. Mais quand on débute, ça s'en est un. Et le deuxième exploit sur le Commodore 64, c'est d'abord supprimer les bordures de haut et de bas d'écran. Vous voyez, elles sont plus là. Ce qui d'ailleurs nous permet d'afficher des sprites dans cette bordure. Ils sont visibles, ils sont complètement visibles. Donc c'est une des raisons pour lesquelles nous avons pu passer de 80 à 96 sprites. Alors dans un premier temps, je vous propose de vous expliquer comment fonctionne la routine de suppression des bordures de haut et de bas d'écran. C'est assez simple, ça repose sur une tromperie. On va induire en erreur la puce vidéo VIC2. Qu'est-ce qui se passe? La puce VIC2 procède, vous savez, avec le faisceau raster, un balayage, hein, de l'écran, donc du haut vers le bas. Et lorsque le faisceau raster arrive en ligne 249, hein, ça c'est la ligne 250, hein, eh bien nous allons passer en mode, non pas passer d'un mode 25 rangées à un mode 24 rangées. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça fait monter la bordure. Donc quand la puce VIC2 arrive en ligne 249-250, et eh bien elle croit que la bordure d'écran est là. Et donc elle se dit, ben, il n'y a plus rien à faire. Et une fois que les premières lignes ont été dépassées, hein, les premières lignes du faisceau raster ont été dépassées, on est arrivé en ligne 252, et eh bien à ce moment-là, on réactive le mode 25 rangées. Et bah, la puce VIC à ce moment-là, bah, estime qu'elle a fait son job, elle ne vérifie pas que les bordures d'écran sont ouvertes ou fermées, et bah, on se retrouve avec des bordures d'écran ouvertes, tout simplement. Et puis bah, la réactivation, la puce VIC2 va procéder à une vérification que beaucoup plus tard, hein, alors je ne sais plus exactement quand est-ce que ça se passe, mais ça nous laisse le temps d'afficher des sprites dans cette bordure d'écran quand elle est ouverte. Voilà pour l'explication théorique. Alors, je vais lancer une routine de suppression des bordures d'écran. Voilà, vous voyez, je trouve ça, c'est assez sympa. C'est dommage que Commodore n'ait pas lancé un système sans les bordures d'écran. Ça nous aurait. Bon. Enfin, c'est un faux écran parce qu'on peut pas. Oui, on peut pas remonter. On peut pas descendre. Alors, si je descends, voilà, ça fait ça. Alors, le texte peut pas y accéder. En revanche, les sprites peuvent accéder dans ces bordures d'écran. 269, si je sais ça. Je mets 255. Pof. 5. 53 248,80. Donc ça c'est. Imaginez que donc là j'ai activé tous mes sprites. Je vais positionner en X mon sprite numéro 1. Il est là. Ce que vous voyez, c'est que le sprite numéro 1
Eh bien, il est, comment dire, il y a un effet miroir. Il est doublé, tout simplement. C'est ce que je vous expliquais dans ma vidéo, hein, dans quelques minutes auparavant. C'est le même sprite qui est en haut et en bas. Alors, si je mets la position 13, non, 41, je me suis trompé. Donc, 53 249,13. Voilà. Là, vous voyez, il est à peu près équidistant. Je ne sais pas si c'est 12 ou 13. C'est peut-être 12. Là, il est à équidistance en haut et en bas. Mais c'est le même sprite qui est affiché en haut et en bas. Il est doublé. En revanche, si je place en 254 mon sprite, vous voyez, il n'est pas doublé. Alors, je peux monter jusqu'à 255. Et 256, vous savez, ça n'existe pas pour les sprites. Je suis limité par une valeur de 255, je suis obligé de mettre 1. Voilà. Voilà pour l'affichage du sprite. Également, dans cette ouverture de haut et de bas d'écran, il y a une chose à savoir, c'est que vous avez une adresse qui est 16, une adresse bitmap, hein, qui est 16 300, alors 83. Vous savez que normalement, les adresses bitmap par défaut débutent en 8192 et s'arrêtent en 16 382. Mais vous avez une dernière adresse, 16 383, qui correspond à 3 FFF en hexadécimal. Qui est une adresse bitmap, c'est un octet qui définit le graphisme, hein, l'affichage dans la bordure d'écran. Alors, si je mets 255, ça redevient noir, mais je peux mettre la valeur 15. Voyez. Et c'est en fait, ça correspond à un octet d'un caractère, c'est l'équivalent d'un octet d'un caractère, hein, qui est identique sur toute la bordure. Voilà. Alors on peut jouer avec ça, avec le faisceau raster. Lorsque le faisceau raster atteint la position 250, puis 251, puis 252, c'est modifier la valeur ici dans ces bordures d'écran pour y afficher du texte. C'est une technique de programmeur de démo. En quoi consiste maintenant cette routine d'ouverture des bordures de haut et de bas d'écran? Je vous la décris, elle est assez courte, vous voyez, c'est quelques lignes. Elle est en deux parties. Vous avez une phase d'initialisation ici, dans cette routine, et puis vous avez une phase de gestion des interruptions, ici, c'est la deuxième phase. La première phase est assez classique, hein, quand on programme les interruptions du faisceau raster sur le Commodore 64. On commence par désactiver les interruptions IRQ du processeur 6510 avec cette instruction SEI. On désactive le bit 7 du registre DC0D, qui est le registre de contrôle des IRQ de la puce gérée par la puce CIA numéro 1. Je profite de cette désactivation du bit 7 pour utiliser cette instruction et modifier également le bit 7 de mon registre D011 et le désactiver. Pourquoi le bit 7, c'est le 9e bit, hein, ça correspond au 9e bit du registre de contrôle des interruptions liées au faisceau raster. Je veux que mon interruption intervienne quand le faisceau raster est situé entre les valeurs 0 et 255. Hein. Au-delà de 255, ça ne m'intéresse pas. Je place la valeur 248 dans le registre des 0,12. Je veux qu'une première interruption liée au faisceau raster intervienne quand mon faisceau raster sera à cette ligne 248. Je modifie l'octet de poids fort et l'octet de poids faible du vecteur basique et kernel de ma routine de gestion des interruptions, hein, celle en tout cas du kernel et du basique. Hein. Je vais modifier donc l'octet de poids faible et l'octet de poids fort pour que ce vecteur pointe ma routine de gestion des interruptions que j'ai intitulée IRQ, vous voyez, dans ma routine, hein, en assembleur. J'accuse, comme Émile Zola,
J'allais dire j'accuse de réception. C'est un knowledge en anglais, mais c'est plutôt j'active les interruptions, je voulais dire. J'active les interruptions IRQ au raster en plaçant la valeur 1 dans ce registre D01A. Et je réactive mes interruptions IRQ propre processeur 6510. Bon, c'est assez classique, hein, tout ça. Et puis ensuite, je fais comme je vous l'ai montré à l'écran, je place la valeur 0 dans ce registre, enfin cette adresse 3FFF, hein, cette adresse bitmap, pour que mes bordures d'écran soient belles et propres et non pas remplies de semblants de caractères. Et je fais un RTS, je termine cette première partie de routine par RTS pour avoir accès à l'éditeur basique. Ma routine de gestion des interruptions est très très courte, elle est là. Donc, on commence par se placer en mode 24 30G. Alors, ici, je l'ai fait très courte. J'aurais dû faire une petite boucle d'attente pour m'assurer que je suis bien en ligne 249. Si j'avais mis la valeur 249, je m'exposais au risque qu'elle ne fonctionne pas parce que c'est très très court. Vous savez, les cycles sont très très courts. Vous avez ce qu'on appelle des mauvaises lignes, quelquefois, qui peuvent ralentir, enfin en tout cas bloquer le processus de fonctionnement du processeur, donner la priorité à la gestion de la vidéo. Et à ce moment-là, si je laisse passer ma ligne 249, eh bien, bah, ça ne fonctionne pas. Donc. Mais j'aurais dû rajouter une petite boucle d'attente pour m'assurer que ma ligne 249 était bien atteinte. Bon, ça fonctionne, donc il n'y a pas de souci. Donc, je modifie mon registre D011 pour désactiver le bit 4 et me placer en mode 24 rangées. Le cas échéant avec cette ligne décalée, c'est-à-dire que ici, ça, c'est comment dire, les trois premiers bits, hein, contrôlent comment dire, les pixels, hein, de décalage de l'écran vers le haut. A priori, ça modifie rien, hein, ça. Le rendre, j'ai pas mis un or. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'insère une boucle d'attente pour m'assurer que mon registre D011 soit toujours une valeur signée positivement, c'est-à-dire que sa valeur est inférieure à 128 et le bit 7 surtout n'est pas activé. Si le bit 7 est activé, ça veut dire que je suis. C'est une valeur potentiellement négative. Et surtout, c'est que mon faisceau raster est allé au-delà de la position 255. Et ça ne m'intéresse plus à ce moment-là. Donc, je vérifie, je m'assure que le registre D011 est toujours en valeur 128. Donc, tant qu'il est il a cette valeur inférieure à 128, eh bien, ma boucle d'attente tourne. Hein, et puis, lorsque le bit 7 est activé, ça veut dire que mon faisceau raster est au-delà d'une ligne 255 et la suite de la routine peut fonctionner. Alors, ce qui est important, c'est j'ai fait des tests, c'est que la valeur des 0,12 doit toujours être au moins égale à 252. En fait. Donc, on peut remplacer cette boucle d'attente par une comparaison du registre des 0,12 et s'assurer que cette valeur 252 ne soit pas atteinte. Tout dépend un petit peu de ce que vous voulez faire avec le processeur. Les boucles d'attente, ici, le problème, c'est qu'elles monopolisent le processeur. Donc, vous avez peut-être intérêt à ce qu'il fasse autre chose pendant ce temps-là. Donc, essayez de raccourcir au maximum ce délai d'attente. Une fois que cette boucle d'attente est effectuée, eh bien, je confirme l'interruption du faisceau raster en plaçant la valeur 1 dans le registre D019. On peut aussi procéder à un décalage de bits, hein, du registre D019 avec un INC ou un ASL, une instruction ASL. Et puis, ben, ma boucle d'attente est terminée, j'ai confirmé l'interruption du faisceau raster, et bien il ne me reste plus qu'à repasser en mode 25 rangées, et pas colonne. Donc en réactivant le bit 4, c'est l'objet de ces instructions ici.
Et j'appelle enfin ma routine de gestion des interruptions du basique et du kernel par ce saut en EA 31. Voilà comment fonctionne cette routine d'ouverture des bordures de haut et de bas d'écran. Une fois qu'elle est faite, il ne me reste plus qu'à l'insérer, à l'utiliser dans un programme d'affichage des 96 sprites. La routine complète, la voici, la voilà. Elle débute hein, de la même façon que la routine d'ouverture des bordures. Il y a une phase d'initialisation qui est strictement identique à la précédente routine. Voilà, je ne rentre pas dans le détail, hein, c'est déjà expliqué. Remarquez que je place la valeur 0 dans cette adresse 3FFF. Ce qui va changer, c'est toute la partie liée au sprite. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'active mes sprites à partir de là. Donc, je place la valeur 255 dans ce registre D015, hein, 53269. Et ensuite, je mets une valeur, je positionne en X mes différents sprites. Alors, je suis parti de la valeur 84, j'ai additionné 24 à chaque fois, chaque sprite ayant une largeur de 24 points, et j'ai placé cette valeur 84 dans les différents registres en X des sprites, qui vont, c'est D00, D002, D004, c'est facile hein, à retenir. Et puis vous avez enfin un dernier registre, le D010, qui est le registre qui s'applique si un sprite est positionné en X au-delà de 255, à partir de 256. Il faut activer le bit correspondant au sprite hein, si on veut le positionner en plus 256. J'ai pas eu besoin de le faire parce que mes valeurs ne dépassaient pas 255. Et puis la première phase de la routine se termine de la même façon par un RTS qui me permet de revenir à l'éditeur basique. Plus intéressant, c'est la suite, c'est la partie qui concerne la routine de gestion des interruptions. Elle est en deux parties. Alors, c'est pas une double interruption comme on peut lire hein, quelquefois. C'est une dual interruption en anglais, mais c'est faux. Il n'y a pas deux interruptions, il y a plusieurs interruptions. C'est une gestion en deux temps, tout simplement. Mais bon, c'est assez artificiel. Il y a plusieurs interruptions et donc une manière un petit peu différente de traiter l'interruption, enfin le cas de figure selon la nature de l'interruption. Ici, j'ai ma routine de gestion des interruptions est double en fait. Il y en a deux, et vous voyez, il y a cette première qui s'arrête ici, et puis vous avez une deuxième routine de gestion des interruptions qui est ici, avec une table des positions en Y. Alors j'ai mis des valeurs différentes. Ne retenez pas évidemment ceux qui sont en rouge avec un point virgule, ce sont des tests. Si vous voulez mettre des valeurs différentes, vous voulez, hein, ici j'avais indiqué des valeurs, mais vous pouvez mettre celles que vous voulez. Alors sous certaines réserves, je vais vous expliquer pourquoi. Donc je reviens à ma routine. Voilà. Elle débute par une vérification. Que la ligne 249 a bien été atteinte. Il y a une boucle d'attente. Hein. Donc, tant que le registre D012 pardon, n'a pas la valeur 249, ma routine tourne en boucle hein, pour être exactement précisément à la ligne 249. À ce moment-là, bah, c'est comme dans la précédente routine, on passe en mode 24 rangées en désactivant le bit 4 du registre D011. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Nous pensons à positionner immédiatement les sprites en chargeant la valeur à l'adresse FB. Alors, c'est 0 par défaut, hein, j'ai pas eu besoin de le préciser. Alors, au démarrage, hein, du commencement de 4, vous avez 0 hein, dans cette adresse FB. Je charge cette valeur en FB, je charge X hein, avec cette valeur en FB. X va me servir d'index hein, dans ma lecture des positions en Y dans cette table hein, que j'ai créée plus bas.
Voyez. Donc, je charge les valeurs qui sont dans cette table au moyen d'une indexation avec X et je place la valeur dans les différents registres des sprites qui coordonnent les positions en Y. J'ajoute 2 que je transfère Y. Cette valeur va me permettre de déterminer la prochaine interruption du faisceau raster. Je vérifie que le faisceau raster n'a pas atteint la position 205, n'a pas atteint la ligne 252 et une boucle d'attente. C'est un petit peu différent de la précédente routine. J'ai préféré utiliser un positionnement par rapport au registre des 0,12 que des 0,11. J'ai gagné 3 lignes de cycle. Et puis, je modifie le vecteur, l'octet de poids fort et l'octet de poids faible de mon registre, de mon vecteur, de vecteur qui pointe, l'adresse, de la routine de gestion des interruptions. Donc d'abord l'octet de poids fort et ensuite l'octet, de poids faible. Et j'incrémente X de 1 que je replace immédiatement dans FB. Je place la valeur de Y dans le registre des 0,12, c'est-à-dire que ça correspond à ma position des sprites plus 2, éventuellement plus C. Alors, je ne me suis pas amusé à rajouter un clear carry avant, parce que ça soit en ligne 2 ou en ligne 3, ça ne change pas grand-chose. J'économise une instruction. Bon, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus précis, vous voulez vous assurer que votre faisceau raster est bien. Deux lignes après, bah oui, finalement, vous devrez rajouter cette instruction. Mais dans mon cas, j'ai pas eu besoin de cette précision. Une fois qu'on a placé donc Y pour déterminer la prochaine ligne d'interruption grâce au registre des 0,12, eh bien, je repasse en mode 25 rangées en réactivant le bit 4 du registre des 0,11. Je valide mon interruption IRQ raster avec cette instruction ASL D019. J'aurais pu faire un LDA1 et faire un STA D019. Et puis je fais un appel partiel de la routine de gestion des interruptions du basique et du kernel. Partiel parce que je n'ai pas besoin à ce stade de faire un appel total. Je ferai un appel de la routine complète. Oh. Qu'est-ce qui se passe un peu plus loin? Bon, ici, ce qui se passe, c'est que mon faisceau raster a appelé cette première partie enfin, cette première routine de gestion des interruptions. Et puis, ce qui va se passer, c'est que ici, en 13 plus 2, ça fait 15. Lorsque mon faisceau raster sera en ligne 13 plus 2, ça fait 15. Et bien, ma deuxième routine de gestion des interruptions sera appelée. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien, à nouveau, je positionne en X mes sprites en chargeant les valeurs de la table. X ayant été incrémenté de 1, c'est plus 36, 13, mais 36 qui va être chargé. Je le place dans les différents registres en Y des sprites. Voilà, j'ai mis mon clear carry, mais bon, c'était histoire de vous montrer comment on fait les choses de manière un petit peu plus normalisée. Bon, c'est pas indispensable. J'ajoute 2, je fais comme dans ma routine, dans la première routine, je rajoute 2, je transfère à Y, ça va me servir de valeur pour déterminer la ligne de faisceau raster provoquant la prochaine ligne de faisceau raster qui va procéder à l'interruption. J'augmente X, je vérifie que X n'a pas atteint la 12e valeur. Parce que ici, j'ai 13 valeurs, tout simplement. Ça commence à 0. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pardon, je vous dis 13 valeurs. J'ai 12 valeurs, mais elles commencent en 0. Donc en fait,
Donc, tant que x est inférieur à 11, eh bien, nous avons une lecture normale du code. Et quand x aura atteint cette valeur de 12, à ce moment-là, il y aura quelque chose de particulier qui va se passer. Je vais revenir là-dessus. On va repartir du postulat que tout fonctionne normalement. Les 12 valeurs de la table n'ont pas été encore lues. Qu'est-ce qui se passe? C'est ici la suite. Eh bien, je place x dans FB. Je n'ai pas besoin de modifier l'octet de point fort et l'octet de point faible de mon vecteur pointant la routine de gestion des interruptions. En revanche, je place la valeur de y dans D012, qui va déterminer ma prochaine interruption. Donc ici, si par exemple je suis à 57, 57 plus 2, ça veut dire qu'en 59, eh bien, j'aurai à nouveau une interruption, et puis le même processus va se passer. Je m'assure ici que le enfin je m'assure que le bit 4 est bien activé, et surtout en fait la valeur 11B, surtout ce qu'il y a, c'est que le bit 7 est désactivé, donc nous sommes toujours dans le cas d'interruption où le faisceau raster est compris. Enfin, les lignes, hein, sont comprises entre 0 et 255. Donc, les interruptions au-delà de la valeur 255 ne m'intéressent pas. Je valide mon interruption IRQ et je procède à un saut à la routine abrégée des interruptions. En revanche, une fois que ma dernière valeur de la table est lue et que mon dernier sprite a été positionné, qu'est-ce qui se passe? C'est toute cette partie que je ne vous ai pas décrite. Eh bien, je remets la valeur 0 dans x, que je place x, cette valeur va être placée dans FB. Je modifie le vecteur de la routine de gestion des interruptions en revenant sur la première routine. Et j'utilise à nouveau cette valeur de 248 pour déterminer la ligne de faisceau raster qui a provoqué mon interruption, c'est 248. Et également, bon, alors je m'assure que j'ai dans le registre des 0,1, j'ai bien mes valeurs par défaut. C'est surtout le bit 7 est désactivé en fait. Et je valide mon interruption IRQ. Et alors cette fois-ci, je procède à un saut vers la routine de gestion des interruptions du basique et du kernel. Normal, hein, normalisé, c'est-à-dire total, avec tout ce qui concerne le clavier, le curseur. Voilà. Et ce qui me permet d'utiliser le basique. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses ou revu des choses que vous saviez déjà et que ça vous a apporté un peu de distraction. Je termine par un petit affichage différent de celui que vous avez vu tout à l'heure. Hein. Vous vous souvenez, mes sprites striés. Là, j'ai fait une sorte de rideau. On retrouve les 96 sprites, mais positionnés différemment. Alors, ce que vous invite à faire, pour ceux qui débutent, c'est de modifier les valeurs des tables, hein, de faire des petits essais, de tester, et que comme ça qu'on apprend réellement, je pense qu'on comprend, parce que même les meilleures explications sont jamais toujours optimales, de toute façon. Eh ben, écoutez, je vous dis à bientôt.